Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une super semaine. Donc, on est rendu à planifier le début du mois de décembre. Donc, je commence avec celui-là qui vient devant moi. Je dois me mettre un aide-mémoire pour mercredi. J'ai un petit compte à payer. Il faut que je l'oublie. Vendredi, j'ai déjà quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une boîte à laquelle j'ai rajouté une petite tuque, un petit chapeau, un bonnet pour l'hiver. Oui, vous le voyez bien. OK. Je vais mettre un aide-mémoire pour lundi où je vais mettre pas mal de choses à faire durant la semaine. Je vais faire une petite confidence. Je suis pas très à l'aise dans les magasins quand il y a énormément de monde. Je fais pas des prix, je fais plus de crise de panique, mais je vous avoue que je suis pas très confortable. Donc, je vais mettre une petite note ici, be fearless. Donc ici, une petite case pour des choses à noter un peu chaque jour. Ne pas oublier que dans le temps des fêtes, ce qui est le fun, c'est faire les commissions pour faire plaisir aux gens qu'on aime. C'est pas juste la journée de Noël. Donc, essayez de se souvenir de ce qui est en arrière de ça. J'ai un petit élément à ne pas oublier ici. Je vais le mettre dans un bourgogne. Oups, il est un peu long. Donc, je vais tout simplement y faire subir une petite chirurgie. Et je prends le petit bout qui me reste ici que je vais recoller, histoire de refaire ma boîte, mais un petit peu moins longue. Oups. Et voilà. Donc, ça ne dépasse plus. Ma petite chirurgie n'est pas si mal. Est-ce que j'ai d'autres choses que je dois me souvenir durant cette semaine? Enjoy life. Ouais. Holiday shopping. Je vais le mettre ici. Je vais retirer la ligne, je vais effacer un petit peu de ma ligne parce que c'est un autocollant qui est transparent et j'aime pas ça voir la ligne à travers. Donc ici, voilà. Plusieurs petites choses à faire dans la maison. Bon, get it done. Ouais, OK. Je vais mettre un petit aide-mémoire en... Oups, j'aime pas. On voit à travers, donc. Il est un peu trop long, lui. Une petite citation pour m'encourager à faire cette semaine. You are strong and capable. Oui. Et ça devrait aller pour
cette semaine. Je vais regarder si j'aurais pas quelques petites décos supplémentaires que je pourrais mettre. Donc ça, c'est dans le saisonnier. Ah ben oui, je vais être obligée de les emballer, ces petits cadeaux-là. Donc on pourrait le mettre ici. Wrap Christmas Gift. Puis ça va directement dans ma calotte de couleurs en plus. OK. I love this. C'est agréable, hein? De choisir des cadeaux. C'est juste que c'est les magasins. J'avoue que c'est ce que j'aime le moins. Quand il y a beaucoup de monde, là. C'est pas magasiné qui me dérange. C'est la présence de d'autant de personnes. J'ai chaud, je vais mourir. Oh, peut-être que si je mettais ça. Je suis pas sûre. Ça me prendrait une case avec un dessin. Ah, tiens. On va se rappeler que pourquoi on fait toutes ces choses-là. Parce que c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Et pourquoi pas annoncer un peu de bonheur pour les chansons de Noël, hein? Mais oh, what fun! On va essayer de s'encourager à faire ces commissions-là. J'aime faire magasiner. J'aime pas le faire quand il y a beaucoup de monde. Est-ce que je peux le mettre ici? Oui. Mais c'est toujours très le fun de penser aux gens qu'on aime. Puis de leur trouver un petit cadeau. Bon, j'ai pas ce que je veux dans celui-là. Je vais aller voir s'il n'y avait pas des petites entêtes dans lui. C'est celui de Noël. Non, c'est l'hiver, pardon. Un petit café, ça serait pas une mauvaise idée. On va commencer notre semaine avec notre petit café ici. OK. Les petites cases avec les titres que je cherche. Il n'y en a pas. Ah, mais par contre, j'ai des beaux petits points ici que je pourrais très bien utiliser. Donc, ce que je vais faire, histoire d'en avoir plus, là, j'ai un petit chien qui veut avoir un autre gâterie, mais elle en a déjà eu deux. C'est assez bien. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends. OK, donc si je mettais ça ici pour écrire des petits... Oh! Ça me prendrait des petites pinces que je vois les filles utiliser tout le temps. Peut-être que je pourrais prendre des pinces à sourcils ordinaires. Donc, bien, on va essayer de... Oui. Et voilà, donc deux petits points ici. Donc, voilà. C'est petit en titi. Et voilà, donc voilà un. Je vais prendre ça, ça va m'aider à le déplacer. Bon, on va l'avoir. Et voilà, on travaille la patience. Ça va être bien. Je pourrais peut-être m'en mettre deux petits, mais je vais mettre du rouge cette fois-là. Peut-être un bleu, tiens. Un peu de bleu gris dans ça, un peu.
Donc ici, ah, si je le soulève avec mon petit exacto, j'ai moins de problèmes. On trouve des trucs, hein? Et voilà. Oups. Bon. Donc, j'ai mes petits boulots de pointe pour rajouter des choses. C'est la petite déco qui me manque. Donc, ici, je vais me mettre un today. Voilà. Ici, un to buy, parce que c'est vraiment des choses que j'ai à acheter. Oh, j'aurais dû prendre remember ici. J'ai beaucoup de rouge sur ce côté-là, donc on va mettre remember. Oh, c'est bien. Quelques petites découpes. Je trouverai pas ça là-dedans, donc c'est là-dedans que je vais le trouver. Petit sapin, parce que c'est vraiment l'idée. La petite bande rouge à la fin fait une belle petite déco. Donc je vais en mettre une aussi en haut. C'est pas grave si ça fait pas tout le tour. Ça encadre un petit peu mieux mon week-end. Voilà. Et je vais mettre ce petit côté-là ici, histoire d'équilibrer un peu le tout de l'autre côté. J'aime pas que les choses ferment. Que ça soit carré, carré comme ça. Sauf quand ça finit la boîte. Donc, je vais en enlever un petit peu pour faire comme un petit drapeau. De l'autre côté. Voilà. Pas une grosse chose, mais je trouve que ça fait une petite différence. Il y avait des petites cannes de bonbons ou des petits bonbons, j'aimerais ça. Mais je pense pas qu'il y en a. Non, pas dans ça. Ça, j'en ai pas vu non plus, mais on va vérifier d'un coup. Ma mémoire étant ce qu'elle est, peut-être que j'ai oublié. J'aurais pas autre chose. Je vais aller voir si j'aurais pas autre chose. Donc, je suis retournée dans mes anciens. Mes anciens, c'est pas tout à fait ça, mais dans mes livrets. Et j'en ai trouvé un, celui-ci, qui est un saisonnier. Donc, je me suis dit, sûrement là-dedans, je trouverai quelques. Ah, oh, les petites mitaines, ça serait joli, ça. Tiens. Avec le petit foulard, le petit chapeau en haut, des petites mitaines en bas, c'est très, ça va ensemble. Donc, une petite tasse ici pour le week-end. Mon Dieu, je pensais plus du tout à ce livret-là. Et pourtant, des fois, on en a trop. Ben trop, il n'y en a jamais trop, mais je veux dire, on oublie qu'on les a. Oh, ça c'est cute.
Bon, j'ai réussi à coller le l'autocollant sur lui-même. Ça va être mignon comme tout. À côté de son arme, je vais lui mettre une petite étoile. C'est supposé être un flocon, mais moi je le vois plus comme une étoile. Donc au-dessus de son petit flocon. Voilà. Sur ce côté-ci, puisque le Noël, c'est pour retrouver l'enfant en nous, mais aussi pour faire plaisir aux enfants qui sont dans notre entourage. C'est surtout eux qui rêvent au Père Noël. Hein. On va rajouter des enfants, ça répond à... au mois de décembre. Pour moi, en tout cas. S'il n'y a pas d'enfant, Noël, c'est moche. Donc, j'aime beaucoup déjà cette semaine de planif. Je vais peut-être y rajouter quelques petits éléments tout simples comme ceux qu'on trouve dans le household, comme une machine à laver pour me dire, OK, aujourd'hui on fait le lavage, on serre, on fait la vaisselle, donc je vais utiliser ceux-là jour après jour quand je vais faire ma planification de ce que je fais dans ma journée. Je ferai ce que les Américains appellent un after the pen la semaine prochaine. Donc, je vais prendre celui-là. Et jour après jour, je vais inscrire dedans ce que j'ai fait. Et à la fin de la semaine, je vais faire donc deux vidéos, c'est-à-dire que vous aurez ma prochaine semaine décorée. Mais vous aurez aussi une idée de comment je planifie jour après jour dans ma semaine. Donc, voici, ça c'est la planification pour la semaine du 2 décembre jusqu'au 9. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut, en l'air, si vous avez apprécié, et de vous abonner. Ça va me faire plaisir de vous revoir. À la semaine prochaine!